Olivier. Bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Alors, la saison vient de s'achever, c'est le moment de faire un petit peu le bilan. Tu as terminé meilleure évaluation du championnat espoir et dans le 5 majeur. Quel regard est-ce que tu portes sur la saison qui vient de s'achever? Bah, écoute, c'est un regard positif, puisque je m'étais fixé des objectifs en début de saison que j'ai pu atteindre. Enfin, je voulais vraiment être le joueur dominant cette année dans le championnat. C'est un objectif qui est, je pense, réussi. Donc, je pense que c'est une saison qui était importante pour moi parce que c'était une saison un peu de transition qui allait me permettre de pouvoir faire le grand saut pour la saison prochaine. Donc non, franchement, je suis content de cette saison, de comment se sont déroulées les choses. Et voilà, je voulais remercier le staff de la SIC pour m'avoir accompagné cette année. Donc, que ce soit en espoir, donc Lauriane, qui m'a fait confiance pour les matchs, qui m'a fait beaucoup jouer et qui m'a beaucoup donné de conseils, qui était souvent là pour me faire travailler individuellement. Et après aussi le staff pro, donc Vincent, qui lui aussi m'a aidé à avancer par rapport aux entraînements que je faisais avec l'équipe professionnelle. Et voilà, donc vraiment une année positive. Justement, tu viens de signer une prolongation de 2 ans avec la SIG Strasbourg. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bah, c'est une satisfaction parce que l'année dernière, quand j'ai signé le contrat la première année, je savais qu'il y avait l'histoire du plus de saisons après. Donc voilà, moi j'étais arrivé motivé pour prouver aux gens du club et au coach que j'allais être prêt à vraiment jouer pour les 2 prochaines années. Donc voilà, le fait d'avoir été prolongé, ça prouve qu'ils ont vu ça, qu'ils ont vu que j'étais prêt. Et donc c'est une bonne chose, je pense. Voilà, parce que cette année j'ai beaucoup travaillé. C'est une récompense, on va dire, un peu de ce que j'ai fait. Enfin personnel, hein, pour moi, je ne parle pas des autres, mais moi je le prends comme une récompense personnelle. Et voilà, ça fait plaisir de se dire que je vais jouer en Pro A pour la SIG, qui est quand même depuis les 5 ans, vraiment une des places fortes du basket français. Donc voilà, vraiment très reconnaissant et puis aussi motivé pour les années qui arrivent là. Et quels sont tes objectifs pour la saison à venir? Bah, tout simplement, ne pas me fixer de limites. Je veux vraiment être le meilleur joueur possible. Et voilà, enfin, je ne vais pas changer ma façon de faire, c'est-à-dire que je vais continuer à travailler très dur et puis je vais écouter les conseils des aînés et voilà, je vais essayer de tout faire en œuvre pour vraiment faire une grosse première année. Merci Olivier. De rien.